Salut tout le monde, bienvenue dans le 101% du mardi. Aujourd'hui on n'est pas du tout dans notre plateau habituel à Paris, on est carrément à Casablanca, parce que figurez-vous, je suis bloqué au Maroc dû à cette éruption volcanique en Islande. Alors du coup on essaie de quand même sortir une émission rien que pour vous. C'est un petit peu dur, je vous l'avoue, c'est pas grave, excusez-nous pour cette technique absolument déplorable. J'ai un rayon de soleil qui tape, c'est un enfer de tomber ici. Bon, je vous fais quand même le sommaire. Au sommaire, donc, on aura un reportage sur Street Fighter 4 avec une interview du producteur et il va vous lâcher un scoop de la mort, quoi. Ensuite, on aura Temps perdu de Nicolas Robin. Et pour finir, on aura Restaurant Magique, qui n'est pas du tout fait par Julien Pirou, mais bien par Azrael, qui est un téléspectateur qui a écrit donc sur Secret of Mana. Vous apprendrez tout sur l'historique de ce jeu incroyable de Square. Et tout de suite, j'ai envie de vous lire les news et on parlera ensuite de ce festival d'animation parce qu'on est au Maroc avec Olivier Roth, mon directeur artistique, pas pour glander, mais juste pour le premier festival donc d'animation à Casa. Et voilà, on recevra sans doute un intervenant pour nous en parler. Je vous embrasse, amusez-vous bien pour les news. Parti. Le toit de l'Arche de la Défense accueillait déjà depuis quelques temps le musée de l'informatique. Il accueille désormais le musée du jeu vidéo. Ouvert depuis le 14 avril, le musée retrace l'histoire des consoles de jeux à travers de nombreuses vitrines remplies de machines. On a apprécié le grand nombre de machines présentées, ainsi que certaines mises en scène, comme la chambre d'ado ou les écrans tactiles, permettant de regarder des documentaires. Mais il est clair que le terme musée est quelque peu usurpé. Il s'agit davantage d'une exposition permanente, manquant cruellement d'informations et d'animations. Le billet d'accès est valable pour les deux musées, ainsi que le toit de la Grande Arche de la Défense. Si quelques bornes et consoles sont en démonstration, on aurait tout de même apprécié davantage d'interactivité avec le public, car le prix de l'entrée est assez élevé, 10 euros environ en plein tarif. La Corée du Sud déclare le branle-bas de combat contre les MMORPG. Face à la montée en puissance d'incidents liés à la dépendance aux jeux vidéo, le gouvernement a annoncé deux lois visant à limiter l'accès à la jeunesse aux MMORPG. La première devrait faire office de couvre-feu et coupera tout accès à Internet dans des tranches horaires préalablement choisies par le joueur, entre minuit et 8 heures du matin. La deuxième bridera la connexion en journée pour ne donner qu'un simple accès à Internet. La loi sera étendue à 19 jeux dans la deuxième partie de l'année, dont notamment Balamewi, Nara, Maple Story et Mabinogi, des jeux très célèbres dans ce pays. Étonnamment, d'autres jeux comme Lineage ne figurent pas dans la liste. Les joueurs comme les éditeurs sont évidemment contre ces lois, qu'ils qualifient de dangereuses et assurent que le gouvernement coréen se trompe de coupable. Inutile de préciser que pour ces derniers, ces lois représentent une énorme perte d'argent. Ces lois avaient été initiées par la mort de plusieurs personnes qui avaient passé trop de temps devant leurs écrans et le décès d'un nourrisson à cause de la négligence de ses parents. Des faits divers tragiques qui ont contribué à placer la Corée du Sud sur la liste toujours plus grande des pays ayant mis en place des lois anti-MMORPG. Après deux épisodes très aboutis, Electronic Arts enchaîne déjà avec le troisième volet de sa série de skateboard, très justement nommé Skate. Un volet sur lequel nous avons pu passer quelques heures, histoire d'en apprécier les nouveautés. Enfin, nouveautés, il faut le dire rapidement, car Skate 3 ressemble plus à un upgrade du 2 qu'à un nouvel épisode complètement repensé. Le gameplay basé sur l'utilisation des deux sticks est par exemple en tout point identique à celui que l'on connaissait déjà. Seuls quelques tricks inédits permettent de renouveler un peu l'expérience. De même, l'aspect visuel n'a pas bougé. À l'image du 2, Skate 3 est donc plutôt joli, sans plus. La fluidité reste toutefois inattaquable, ce qui est un réel atout pour un titre qui se veut dynamique. Non, en fait, le vrai changement, c'est l'environnement. On quitte San Van Helena pour allier Port Caverton et ses décors urbains typiquement californiens. L'autre grosse nouveauté de cet épisode, c'est la possibilité de faire équipe avec un autre skater. Des matchs par équipe sont désormais mis en place avec un cumul des points déterminant le vainqueur lors de contests par exemple. Le concept sera évidemment encore plus intéressant en ligne lorsque l'on fera équipe avec un pote. Mais pour l'heure, il était uniquement question des apports en solo. Pour être honnête, le jeu s'annonce comme une simple mise à jour de l'épisode précédent. On attendra toutefois de pouvoir tester le multi-online pour statuer sur le réel intérêt de Skate 3. Présente Rachid, qui est le secrétaire général de l'Animaroc. Voilà, François Sablé-Ventin. Je vous rappelle qu'on est dans des conditions épouvantables, on est bloqué au Maroc. On doit juste aller déjeuner. Heureusement, avec des amis. On doit juste aller déjeuner. Vas-y, reviens.
Et donc, on regarde le reportage de Street Fighter, non plus un grand fan, ouais. N'est-ce pas? C'est un grand fan. Après, il nous parlera de l'assaut, ce que vous avez fait à Casanim, ouais, ainsi que du rétro gaming, parce que vous avez mis ça en place au Maroc. Donc, et bon reportage, et pour nous, bon appétit, on se juste après. Sorti tout d'abord dans les salles d'arcade japonaises lors de l'été 2008, Street Fighter 4 parvint en Occident en février de l'année suivante grâce aux versions consoles. Fort d'un savoir-faire incomparable, Capcom avait conçu un jeu de baston parfaitement maîtrisé. Visuellement séduisant et authentique, le jeu arborait surtout un gameplay d'une rare profondeur. Pour autant, l'accessibilité propre à la série a permis de convaincre les joueurs les plus réfractaires. Ceux-là même qui permettent au jeu d'acquérir une aura planétaire. En ralliant à lui tous les suffrages, Street 4 a tout simplement relancé à lui seul la machine des jeux de baston en 2D, enrayée depuis un certain temps en l'absence de porte-parole crédible. Et malgré une politique de contenu payant supplémentaire particulièrement critiquable, Capcom n'a bien sûr pas hésité à entamer le développement d'un nouvel épisode. C'est ainsi qu'est né Super Street Fighter 4. La caractéristique principale de ce nouveau volet, c'est bien évidemment la densité de son cast. On est ainsi passé à 35 persos jouables, soit 10 de plus qu'à l'origine.前の無印の4の時にですね、2月、去年の2月発売したんですけども、その前の11月、10月頃にもうこの25人でフィックスだっていう話を出した時にですね、やっぱりプレイヤーの皆さんが、あ、俺あのキャラが欲しいのにとか、このキャラがやっぱやりたいっていう声がずーっと寄せられてきて、で、じゃあスーパーを作ろうかって会社で決まった時に、もう本当にすごい量のこの希望っていうのが集まってきたので、じゃあその中から選んでいこうと。ただ、 Vous l'avez compris, la série Street Fighter possède un tel réservoir de personnages qu'il a été très difficile pour Capcom de choisir les nouveaux arrivants. Guy, Cody, Adon, Ibuki, Dudley, DJ, T-Hawk, Makoto, Julie et Hakan sont donc les 10 heureux élus. Mais l'intégration de certains personnages a donné lieu à des débats acharnés jusqu'au dernier moment, au sein même des équipes de développement. ギリギリまで争ったのが、ストリートファイターアルファに出てきたロレントというキャラクター、棒を持ったキャラクターなんですけど、彼を入れるか入れないかってすごい迷ったんですね。で、きちっとストリートファイター4のルールにも入るしっていうところでギリギリこう、
アドンにするかロレントにするかっていうのギリギリ迷ってて、チームの半分の人たちはいやロレントの方が面白いよって言っててですね、でそれの名残が残ってるのが今回あのスーパーで取り入れた背景のステージで、昔ストリートファイターアルファでロレントが出てたステージっていうのが今回入ってるんですね。なので気持ち的にはもう入れようぜって言ってたんですけど、一番最後のこのデッドヒートした時にどっちが声が大きいって言った時にはアドンの方がですね圧倒的に入れてほしい人の声が多かったので、結局ロレントの濃いステージは入れたんですけど、アドンが競り勝ってロレントは入らなかったっていう経緯があります。La principale difficulté lorsque l'on conçoit un jeu de baston, c'est l'équilibrage entre les personnages. Surtout lorsqu'on se nomme Street Fighter 4, que l'on comporte 25 personnages jouables et que chacun d'entre eux est connu sur le bout des ongles par des milliers de joueurs. Les attentes sont énormes. Les plaintes des joueurs aussi, forcément. Sagat et Zangief trop forts, Vega, Honda pas assez. Chacun y est allé de son petit commentaire personnel. 本当にストリートファイター2の時代と違ってですね、もうネットであったりとか、もうブログと呼ばれているものであったりとか、 SNS って呼ばれているもので、もういろんなことが会話が交わされているっていうのが全世界のやつで僕らキャッチできたので、あ、このキャラのこういうところ強いって言われてるな、このキャラのこういうところがウィークポイントだって言われてるなっていうのをすごく僕らヒアリングできたので、じゃあ手触り感とかできることはそのままにしておいて、結果まあ、例えばあの今すごくサガットが強い強いって呼ばれてるんですけど、サガットができることはそのまま置いておきましょう。ただその答えがちょっと、あ、本当はここで KO できたのにできないであったりとか、本当はこんなにこれだけ攻撃受けても自分は KO されなかったのに KO されちゃうとか、そういうところをチューニングしたのが今回のスーパーストリートファイター4ですね。スーパーストリート4 a donc été l'occasion de revoir avec vigilance cet équilibre particulièrement précaire.Si le gameplay n'a pratiquement pas changé entre Street 4 et son successeur, certains nouveaux éléments ont été ajoutés. Le plus marquant d'entre eux demeure certainement l'ajout du deuxième ultra pour chaque personnage. こういう超必殺技っていうのを選ぶっていうのは、ストリートファイター3の時にですね、スーパーセレクトっていうモードを入れたのが、もう今から12年、3年前なんですけども、あの当時そのこのシステム入れた時っていうのはですね、もうこのキャラだったらこっちしか使わないっていうふうに固定された。こう動きになって、2番はもう捨て技って言われてしまった状態があったんですね。で今回スーパーを作る時にもう一度あれを見直しましょうと。でどう見直すのかっていうと、もう4ではある程度の戦い方が見えてきました。じゃあ4の裏側にいる、その例えば竜とか剣だったら竜の剣の裏側にいるっていうのは人がいるんですよね、操作して。この人の癖だったらこっちのスーパーアーツ、要はウルトラコンボの方が倒しやすいよねっていうことまで考えられるようなそのものを用意することによって、技を選ぶ時点でまた駆け引きができるでしょうと。Si niveau gameplay Street 4 peut servir de modèle pour n'importe quel autre jeu de baston, ce n'est pas vraiment le cas lorsque l'on évoque le multi en ligne. Online, le jeu affichait ainsi quelques lacunes difficilement pardonnables. Le contenu paraissait par exemple particulièrement léger. Ce ne sera bien sûr plus le cas avec Super Street Fighter 4, qui intègre de ce côté-là un nombre conséquent de nouveautés.Un mode tournoi permettra à 8 joueurs de s'affronter en direct. Super Street 4, ce sera également des affrontements par équipe à 2 contre 2, 3 contre 3 ou 4 contre 4. Et enfin, le jeu disposera d'un atout non négligeable pour fidéliser la communauté, le Replay Channel.僕ら一番推したいっていうのがですね、リプレイチャンネルっていうものを用意しててですね、これ何かというと、もう対戦ゲームってなるとやっぱ相手の研究をしないといけないというか、他の上手な人のプレーを見ないといけないっていうところだと思うんですね。で今までの皆さんは YouTube であったりとかブログであったりとかを見ていって、あ、こんな技があるのか、こんな動きがあるのかっていうのをこう受動しながら見ていっただけなんですけど、今回のリプレイチャンネルは自分がやったプレーであったりとか、あとはみんなと一緒にチームプレーやった時のこうリプレイをですね、自分のハードディスクにどんどんセーブしていくことができるんですね。で自分のハードディスクにセーブしたら自動的に全世界の PS3 全世界の360とですね、自動的にシェアリングして、であの動画が見たい、あの動画のカテゴリーが見たいって言ったら見たい時にどんどん見れる。Monsieur Ono a donné des dizaines et des dizaines d'interviews et délivré des milliers d'informations en tout genre depuis l'annonce de la sortie de Super Street Fighter 4. Cependant, lorsqu'il s'agit de lui demander s'il pouvait nous livrer en exclusivité un des secrets du jeu, le producteur de Super Street Fighter 4 n'a pas hésité longtemps avant de répondre. じゃあ1個、はい、
ベガ使い、まあ、日本名で言うとバルログなんですけど、ベガ使いのですね、フランスの皆さん、あるところにですね前回なかった当たりをつけました。要は攻撃ヒットポイントをつけました。このことによってうまくそれを使うことにしてフォーカスアタックへ連続コンボがうまく決められる、仕掛けを入れてるので、ぜひ、バルログ使いベガ使いの皆さんはですねその当たりとはどういうモーションどの攻撃で新しくついたんだっていうのを見つけてもらってですね、ぜひこの最弱と呼ばれたらこのベガをですね最強まで仕立ててください。Annoncé pour le 30 avril prochain sur 360 et PS3, Super Street Fighter 4 a de beaux jours devant lui. Sur console évidemment, mais aussi en arcade, puisque Capcom a confirmé le développement d'une version qui sortira dans les salles japonaises d'ici à la fin de l'année. Autre certitude, il n'y aura plus d'épisodes se basant sur Street Fighter 4, pas d'Hyper ni de Turbo Street 4. En revanche, des DLC pas forcément payants viendront régulièrement enrichir cette version. C'est par ce procédé que le nouveau rééquilibrage des personnages dont bénéficiera la version arcade sera intégré à ses consoeurs sur console de salon. Le premier d'entre eux pourrait d'ailleurs voir le jour avant l'été prochain. Manger, vous nous excusez, je vous présente vite fait les gens. Il y a Aziz, Youssef et Rachid donc, qui ont bossé sur le festival de Casablanca. Nos invités spéciaux de la France, Gabi et Claire. Gabi étant réalisateur d'un dessin animé assez geek, j'espère que ça va avoir le jour en série, on verra peut-être ça dans quelques temps un jour ou l'autre. Mais en attendant, je pense qu'à ça. Et Rachid, oui. Parle-nous vite fait, hein, mais vraiment vite fait parce qu'on a autre chose à faire. Donc Animaroc est une association qui a pour but de promouvoir le cinéma d'animation au Maroc. Ouais. Et voilà, on a créé un festival qui a perduré 4 jours et ça s'est bien passé. Tout le monde était content, on a projeté des films, on a mis en place des activités. Mais voilà, et on espère Inch'Allah continuer à faire d'autres festivals. Est-ce que ça progresse? Bon bah c'est cool. J'ai envie de dire que c'est cool, bravo Rachid. On regarde Temps Perdu, faut savoir donc que c'est le seul festival d'animation à Casablanca, je crois. Ouais, quand même. C'est ça. Ah oui, c'est plein de geeks ici. Plein de geeks au Maroc. Tous les jeunes marocains ils sont geeks, 5 trucs de ouf. D'ailleurs après on parle de rétro gaming avec eux. Temps Perdu. Et tiens, on fait une spéciale dédicace à Olivier Rock. Bonjour du Maroc, bisous à toute l'équipe. Bonjour à Marcus, voilà, bisous à tous les spectateurs. Ouais mais attends, c'est pas fini l'émission, il y en a, on reste des plateaux. Allez, à plus tard. Bonjour, allez en boîte, vous avez passé l'âge. Mais que ne feriez-vous pas pour faire plaisir madame, n'est-ce pas? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Perdu. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je n'ai pas super envie de m'amuser. Mais je sais aussi que sur ma petite sélection de jeux hebdomadaires, vous êtes tout tristounés. Je vais donc faire un effort. Alors, dans Connect It, vous devez connecter des trucs en utilisant un système d'engrenage. Et ça me rappelle les tests des 3 jours préparant au service militaire. Bon, ok, moi j'ai fait une objection de conscience. Bah, et alors, j'ai une conscience justement, et je pense à tous ces pauvres jeunes qui ont dû le faire, eux, le service national. Mais bon, là je m'égare. Donc vous faites des engrenages et c'est super. Dans Quietus, vous incarnez un homme qui s'est pendu. Si je voulais être plus précis, donc, je dirais que vous désincarnez un mec qui s'est passé la corde au cou, mais du coup ça ne veut rien dire. À part que ça n'est pas spécialement drôle, mais là n'est pas la question. Heureusement, le monsieur, s'il réussit à venir à bout de ce jeu de plateforme excellent mais excessivement dur, il pourra revenir à la vie. Mais franchement, se tuer pour vouloir revenir à la vie, c'est pas très logique tout ça. Non, je sens bien que je vous embête. En fait, comment vous dire? Non, en fait, mon problème, ce qui me tue le pin, ce qui m'inquiète, ce qui fait que j'ai grave la quinte, c'est qu'aujourd'hui, et hier aussi d'ailleurs, l'heure est grave. Ou était grave. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler? Peut-être même avez-vous été victime de leur perversion et de leur provocation? Les nerds envahissent la France! Bon, attention, pas les geeks comme nous, pas les vrais nerds. Non, je parle ici de cette série débilitante qui traîne parfois sur le net et souvent, malheureusement, sur cette chaîne. Non contents de nous traîner dans la boue, nous, purs no life de cœur et d'esprit, leurs auteurs cherchent aussi à se développer et à conquérir les étalages des hypermarchés et les ondes de notre beau pays
et pourquoi pas du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous supplie d'accorder un peu de vos heures sup à ce chef-d'œuvre caritatif qu'est le CAN, le Comité Anti-Nerds. Quelques secondes sur leur site vous permettront de vous prémunir, vous et votre famille, contre cette engeance maléfique. Quelques conseils sont ici prodigués, et un test vous permettra de savoir s'il faut d'ores et déjà envisager l'abandon sur les routes estivales de votre petit dernier. Ce CAN est impératif, ce CAN est salvateur, et tant qu'à faire, ce CAN est drôle. Et il est drôle longtemps, ce qui, fait incroyable, tombe bien puisqu'il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. C'est pour les enfants! C'est pour les enfants! C'est pour les enfants! On a fini de manger. Je suis toujours avec Rachid qui va nous parler maintenant de quoi? De rétro gaming. Voilà, donc l'association prévoit en parallèle avec le festival qui se passera en Charloa, le festival Casanim, une autre activité qui aura pour objectif de faire promouvoir le rétro gaming ici au Maroc et le jeu vidéo en général. Plutôt cool. Ok. Voilà, et donc là on va regarder Rétro et Magique, c'est Papyrou, je vous le rappelle, qui l'a fait, c'est Azrael. Il me semble, je crois que c'est ça, ouais. Azrael, qui l'a écrit pour cette fois, ce sera sur cette Atatmana que j'affectionne particulièrement. Papi. En 1991, Squaresoft sortait sans tambour ni trompette un spin-off pour Game Boy à sa saga phare Final Fantasy. Ce qui devait initialement représenter une aventure alternative se déroulant dans l'univers de Final Fantasy devint le point de départ d'une série particulièrement riche, Seiken Densetsu, la légende de l'épée sacrée. Sous-titré Final Fantasy Gaiden, le premier Seiken Densetsu proposait toutefois un gameplay assez différent de celui auquel on pouvait s'attendre, puisqu'il s'agissait en fait d'un action-RPG. Il mélangeait gameplay à la Zelda et éléments propres au RPG, à commencer par un personnage doté de caractéristiques à améliorer. Le joueur dirige un orphelin dont les parents furent tués par un être particulièrement maléfique, le Roi Noir. L'infâme tyran fit prisonnier notre héros et le força à combattre comme gladiateur. Mais un jour, celui-ci découvre que son bourreau, le Roi Noir, accompagné de son acolyte Julius, menace l'équilibre du monde assuré par l'arbre mana, avec la ferme intention de s'approprier l'énergie mana dans un but évident de toute puissance. Le héros part donc défendre le monde face au tyrannique Roi Noir, en commençant par se mettre à la recherche d'un mystérieux Bogard, chevalier censé l'aider dans sa tâche. Si l'on retrouve encore dans ce premier épisode des éléments rappelant Final Fantasy, à commencer par les fameux chocobos, il jette néanmoins les bases d'un univers qui lui est propre. En particulier, les monstres que l'on est amené à combattre sont restés au fil des épisodes, si bien que l'on a vu récemment les mêmes monstres en full 3D sur PS2. De même, la bande originale, composée par Ito Kenji, verra plusieurs de ses thèmes réexploités par la suite. Le jeu, noté plutôt positivement, ne rencontra toutefois qu'un succès relatif. Étonnamment, il s'exporta néanmoins jusque dans nos contrées, dans une version malheureusement en partie gâchée par une traduction en anglais plus qu'approximative, et une version française encore un niveau en dessous. Notons que le jeu fut réédité sur Game Boy Advance dans une version améliorée en tout point et sorti chez nous sous le nom de Sword of Mana. C'est en 1993 et sur Super Famicom que sort le deuxième épisode de la série. Davantage connu des fans, il présente un scénario et un gameplay plus solide, quoique l'univers puisse paraître un poil plus enfantin. Cette fois-ci, on ne dirige pas un gladiateur, mais un jeune garçon du nom de Landei, qui par erreur décèle l'épée mana. Ce faisant, il provoque la colère des monstres et de fait celle des habitants de son village. Bien vite, il découvre qu'il n'a pu déterrer l'épée que parce qu'il est le seul capable de sauver le monde dont l'équilibre est menacé. Un sinistre sorcier envisage en effet de détourner l'énergie mana et de restaurer le légendaire Fort Mana, dont on dit que le contrôle lui permettrait de créer un monde dont il serait le seul chef. Armé de l'épée sacrée et entouré de ses deux amis, le héros devra déjouer les plans du diabolique sorcier Thanatos, empêcher la restauration du fort et rendre l'énergie mana à ses gardiens. Cet épisode, toujours totalement axé action RPG, introduit de nombreux éléments de gameplay qui firent école. Jouable jusqu'à 3 simultanément, il mélange combat en temps réel et magie invocable à l'aide d'un menu. Ces menus sont organisés sous forme d'anneaux, un système qui sera réexploité dans la plupart des jeux de la série.
Riche en rebondissements, le scénario est habilement mis en valeur par des graphismes fins et colorés et par une bande-son composée par Kikuta Hiroki. Les mélodies de cette bande-son particulièrement bien construites restèrent longtemps gravées dans la mémoire des fans. On ne pourra d'ailleurs que recommander de regarder l'oscillation qui leur avait été consacrée. Secret of Mana, sorti chez nous dans une version française intégrale correcte, bien que les dialogues soient basés sur la version anglaise, au texte largement simplifié par rapport à ceux de la version japonaise. Alors que la Super Famicom est en perte de vitesse, Square sort un deuxième épisode de sa série sur la 16 bits de Nintendo, il s'agit de Seiken Densetsu 3. Le scénario présente comme un air de déjà-vu. L'équilibre du monde y est une fois encore menacé par des forces maléfiques, cette fois décidées à libérer des monstres divins enfermés dans les pierres mana. Leur but est une fois de plus d'obtenir un pouvoir absolu et de conquérir le monde, au risque de le détruire. Mais décrire le reste du scénario devient plus compliqué pour ce titre, puisque le joueur ne s'apprête pas à diriger un héros prédéfini, mais à choisir en début de partie 3 personnages parmi 6 disponibles, ce qui impactera le déroulement du scénario. Celui-ci se découpe ainsi en 3 sous-scénarios, et en de nombreuses variations de moindre envergure selon les combinaisons de personnages choisis. Il s'agira néanmoins d'aller déterrer l'épée mana pour restaurer la paix et l'équilibre, ainsi que de déjouer les plans du maléfique Prince des Ténèbres. Cette multiplication des scénarios dans un jeu représente la principale innovation par rapport à l'épisode précédent, permettant un contenu particulièrement riche et dense. Le gameplay, lui, change peu, bien que des détails intéressants viennent s'ajouter. Outre l'apparition d'un cycle jour-nuit, on retiendra la séparation de la semaine en 7 jours correspondant aux différents esprits magiques, dont les pouvoirs sont alors renforcés. L'évolution des personnages se fait également de façon plus complexe avec un système de classes, venant encore renforcer la replay value du jeu. Unanimement apprécié pour ses graphismes somptueux, son gameplay riche et le nombre vertigineux de possibilités sur le plan scénaristique, Seiken Densetsu 3 ne quitta toutefois jamais l'archipel nippon. C'est en 1999 que sort sur PlayStation le 4e volet de la série. Très particulier, il représente pour ainsi dire un ovni dans la série des Seiken Densetsu. En premier lieu, le scénario est minimal. Le monde de Fadiel, dans lequel on évolue, est réduit à peau de chagrin, les différentes terres et habitants qui le composent ayant été scellés dans d'antiques artefacts. Le but du héros sera donc de restaurer le monde tel qu'il fut, avec ses différentes contrées et ses différentes populations. En partant de ce scénario plus que réduit, le joueur devra, au gré de ses aventures, recréer un monde en partie à sa guise. Ses choix influenceront les quêtes qui lui seront attribuées, ainsi que les personnages et la faune qu'il rencontrera. Les quêtes accomplies permettront d'obtenir d'autres artefacts, permettant de créer de nouveaux lieux, ouvrant de nouvelles possibilités, et ainsi de suite. Une trame scénaristique se forme ainsi tout au long de l'aventure, d'une façon largement influencée par les choix du joueur. Hormis cette particularité, Legend of Mana est un action RPG respectant de nombreux codes des jeux précédents, à commencer par le bestiaire, largement inspiré de ce qu'on trouvait dans les précédents volets. Les graphismes en 2D sont mignons et joliment colorés. La bande-son, bien qu'elle ne marqua pas les joueurs outre mesure, est également de très bonne facture. Composée par Yoko Shimomura, elle inclut notamment quelques belles chansons, interprétées par la suédoise Annika Ljungberg, qui chante d'ailleurs dans sa langue maternelle. Malgré ses qualités, il se verra reprocher la répétitivité de ses quêtes et l'absence de réel scénario capable de guider le joueur et de le tenir en haleine. Ces défauts donnèrent au joueur un sentiment mitigé. Certains garderont avant tout le souvenir d'un beau jeu original et pas dénué de charme, tandis que d'autres gardèrent l'impression d'avoir été lâchés dans la nature dans une sorte de jeu d'aventure sans scénario propre et à l'intérêt limité. Il faudra attendre ensuite la deuxième moitié des années 2000 pour voir la série reprendre vie avec plusieurs remakes et plusieurs jeux exclusifs sur les nouvelles consoles. La saga Seiken Densetsu se poursuit encore de nos jours sur divers supports, avec des jeux de qualité variable ne convainquant que rarement les fans de la première heure. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, attendent encore un jeu de la trempe des épisodes Super Famicom. Sayonara, son 一言. Est-ce que
excusez-nous, ça a coupé tout à l'heure, on est vraiment dans des conditions un petit peu rock'n'roll en ce moment. On se retrouve jeudi, ou à Paris, ou au Maroc, je ne sais pas, ça dépendra des avions, je ne sais pas si on est bloqué ici. Rachid, un dernier petit mot, je sais que tu adores Marcus. Ouais, je passe un coucou à Marcus et vive le rétro gaming. Voilà, et vous, allez, à bientôt.